Mais je ne comprends pas pourquoi à chaque fois. Mais vous avez entendu du coup le son des trailers? Parce que là il me dit que je peux aller me faire voir quoi. À chaque fois je dois remettre mes trucs à zéro quoi. Alexa, genre. Bon. Bon, on va faire comme si ça marchait déjà. Hein. Oh non, j'avais oublié cette histoire. Mais on l'avait pas fait ça, Tomato Juice, la dernière fois? Moi, je le mets là. Hein. Voilà, c'était là. Allez, hein, on fait un speedrun, hein, bien entendu. Oui, les trailers, c'était bon. Mais ça veut dire qu'il y a eu un problème entre le moment du trailer et maintenant. Voilà, ça c'est très bien. Hein. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la souris, du coup je vais mâcher la souris, pardon, excusez-moi. Hein. Ah oui, il faut que je me mette un peu loin aussi. Alors, comment qu'on tourne ce truc? On peut pas enlever des trucs là, ça rentre pas là. Ouais, ça fait un moment en même temps, c'est compréhensible. On va trouver cette face-là, je pense que ça va être pas mal. Non. Oui. Peut-être. Non. Quoi ici? Là-haut, il y a une sorte de petit truc comme ça, là. On peut pas. Voilà. Si vous entendez pas suffisamment les petits ASMR bruitages, n'hésitez pas, hein. J'ai tout monté à 100 en plus. C'est magnifique. Non. Non. Allez, on désentasse ce truc-là. Ah, j'ai quitté le... Ah oui, c'est parce que c'est en mode fenêtré, c'est vrai. Je devrais pas. Bah voilà! Pas si compliqué hein, de faire de la réparation. Ah oui, je suis pas très centré au niveau du setup, on n'est pas encore prêt. Il faut nettoyer les traces du chat. Bien sûr, on va mettre la tasse sous le tapis, hein. Mais non, on veut pas. Oh non, un Monstera. Ça coûte super cher, mais regarde, il a mis des coups de griffe. Très très joli. Je veux une plante comme ça. Ça y est, on arrive proche du boss, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, le boss c'est le chat, hein. Mais du coup, on va devoir se débarrasser des cassés? Non. On fait du tri dans les fleurs, dans les feuilles. Oh, elle est cassée celle-là. Ah ouais, il l'a démonté. Bon, après, elle fait pas de pouce, donc du coup, je soupçonne que cette Monstera est en plastique. Je crois que ça va vite quand même à faire une pousse de ses feuilles principales. Alors, voilà. Du coup, celle-ci, on l'enlève ou pas? Elle est griffée, non? Ah, mais une radicalisation wokiste, tu penses que c'est qu'aujourd'hui? Alors attendez. Quel enfer ce chat! Ah! Mais comment on joue là? Faut éviter de se faire attraper? C'est vraiment un boss? Je comprends pas.
Il manque un truc, je vois pas quelque chose, c'est ça? Ah bah c'était tout. Il fallait juste un numéro. Ça, je sais pas si vous connaissez l'espèce, mais ça ressemble pas à ce que je connais. Bah il faut faire quoi là? Ah, il y a peut-être le chat qui va débarquer. Toujours l'autocentrisme de quelqu'un, c'est ça exactement. Des fois malheureusement quand même. Hein. Ah non mais après moi je me fous pas hein, sur la ligne politique que j'ai. Hein. Clairement il faut faire attention. Ah si, il faut enlever les trucs, d'accord. Faut faire attention à. Parler. D'ailleurs récemment. Ah faut aller vite là. Non. Je comprends pas. Faut aller vite. Mais c'est pas possible. Je n'ai pas 60 FPS de. Mais ça va trop vite. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Oui, vous avez dû voir ça sur internet que. Et à raison d'ailleurs. Que des fois il faut trasher quand même certains politiques. Hein. Et même si tu justifies tes trucs, mais. Faut aussi comprendre sa position quoi dans l'espace. Je ne comprends pas. Faut aller vite. Si faut aller vite, je rage quit. Hein. On joue à Sound of Care. Moi je veux pas jouer à un truc vite là. J'ai pas la souris pour ça en fait. Comment vous expliquer? Alors, c'est pour ça que j'ai marqué sans apaisement, parce que ce gars-là, par exemple, je ne comprends pas comment c'est possible qu'on le laisse encore. En fait, je suis désolé, hein, mais je vais être un peu méchant. En fait, ça fait quand même vachement longtemps que le gars est insupportable. Voilà, quoi. Donc, bon, moi j'ai envie de dire, s'il y a ce qu'il a envie, parce qu'en plus c'était pour une proposition présidentielle et tout, le mec était à la télé récemment, et que s'il y a, c'est exactement, je vais répéter, hein, mais il y a plein de gens qui l'ont déjà dit, donc c'est pas très radical non plus, mais en fait, si t'es comme ça, en fait, pars. Tu vois, genre, c'est bon, on... Ah. Tu vois, genre, en plus, il y a eu une histoire avec Hollande aussi, parce que c'était ça que je pensais, moi. Cette semaine, je me dis, mais... Pff, on n'a pas besoin de ça, en fait. Bonjour, Ménédil. Excusez-nous, on était en train de tracher un peu. Je sais pas ce qu'il faut faire avec cette plante, elle me stresse. Je crois qu'on va rage quit. Hein. Je vais d'abord faire un truc, parce que la fenêtre me dérange. Je vais la mettre en plein écran. Voilà, merci. J'en peux plus, quoi. Et on a en enchaînement, là. En 2-3 jours, on a eu enchaînement Hollande-Ruffin. Mais cassez-vous, en fait. Cassez-vous. Et en plus, tu vois, c'est genre... tu montres la porte, les gens, je pense qu'ils y vont pas, en fait. Vraiment. C'est clairement ça, quoi. C'est un peu fatigant. J'aurais pas dû me frotter les yeux. Je sais pas s'il faut aller vite. Je ne comprends pas ce passage-là. Et la symétrie... Ah, la symétrie indeed, Rigvimbel, merci. Non, bah non, je suis désolé, sur les plantes, la symétrie, faut pas, quoi. Mais t'as pas tort. Alors. Ah, du coup, faut les faire vite, quand même.
Donc il y a celle-ci, celle-ci. Faut pas se tromper. Hein. Il y a celle-là, là. Non, c'est pas vite, faut juste pas se planter. Bah, apparemment, ça repousse. Ah oui, c'est celle du haut, mince. Et celle-là, je crois, hein, on est d'accord. Hein. Mais qui fait ça avec ces plantes? Qui fait... Dénoncez-vous! Ah, trier les feuilles, ça par contre. Alors, on va faire un beau. Un bel arc-en-ciel où soit on essaye de faire un passage de trou de verre. J'ai pas l'impression qu'on ait des bonnes nuances là, de couleurs pour faire un arc-en-ciel. Ouais, on va pas se casser la tête, on va essayer de faire un arc-en-ciel. Au début, on est pas mal. C'est au niveau du rouge là qu'on a un problème, ce qui est normal. Donc, celui-ci a l'air plus jaune, mais c'est pas vraiment le cas. Moi, je pense qu'il y a un truc jaune comme ça, là, quelque part ici. Ça. Voilà. Alors. Ah. Par ordre de grandeur de plantes, comment qu'on va faire? Déjà, voilà, mettons les unes. Voilà. Ah non, faut les placer par rapport à l'espace qu'elles occupent. Je pense. Ah, ces deux-là, elles vont bien ensemble. Ces deux-là, elles vont très très bien ensemble. Du coup, c'est de l'autre côté qu'il faut que t'ailles, toi. C'est pareil, ça. Qui fait ça, en fait? Désolé, hein. À chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible, en fait. C'est bien comme jeu, mais... Compliqué. Bon, là, on va faire l'indice de réfraction, bien sûr. Hein. On va essayer de deviner toutes les pierres. Pour, bien entendu, ranger par indice de réfraction. Pas du tout par... Ça va ensemble. Ça, toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Là, on a un problème ici. Donc... Mais pas par couleur. Hein. Là. Et ensuite, là. Et là, on a un problème ici. Je me sens touché, Raving Bell, par ce que tu as écrit. Je me sens touché. C'est vrai que c'est une bonne question. Pourquoi je fais ça? C'est vrai. C'est une bonne question. Après, moi, j'aime bien le style graphique, donc du coup, j'aime bien les jeux beaux. Enfin, beaux selon mon goût, hein, je précise. Alors là. Désolé, hein, mais. S'il faut les ranger, moi je fais ça, hein, direct, comme ça. Voilà. Juste ça. Hein. Ah, il y a juste... Mais faut l'acheter. Elle est toute seule. Et cache quelque part. Ah non, faut la mettre au milieu. Un truc comme ça. En fait, faut faire un truc totalement parallèle à quelque chose d'autre. Comme ça. Ouh, je suis l'étoile crabe. Ça aussi, ça n'existe pas. Pourquoi il y a ce truc-là aussi, unique? Un jeu appelé Fistforged, une Shadow Torch, j'en ai trouvé de Vanilla qui était offert sur Epic il y a un moment, ça te parle. Je suis désolé, hein, d'ailleurs, je t'ai pas dit, on n'a pas parlé à une belle, mais... Je ne pourrais me présenter sur ton stream
tant que tu joues à Zelda, par peur d'être spoilé de long en large et pour m'éviter d'acheter une Switch, chose que je n'ai pas. On peut faire des combos? Non, pas du tout. Ah! Ah! Elles sont collées là. Elles étaient proches, non? Il y a eu un truc qui s'est passé. Ah! Elles sont placées. Elles sont pas bien placées, mais elles sont placées. En tout cas, c'est un rapport de symétrie, j'ai l'impression. Il y a un truc. Ouais. Donc. Il y a un truc. Voilà. Ok, et après on met les uniques, j'imagine. Donc on va mettre celle-ci là-bas. Ah. Compliqué là. Attendez, faut savoir ce qu'il y a au milieu parce que là je comprends pas. Pas sûr que ce soit ça d'ailleurs au début. Ah! Donc les crabes c'était bon. Mais est-ce que... Normalement il y a des formes qui tournent, tu vois, genre il y a des choses qui me disent oh, en fait c'est par là. Pas fini Zelda encore. Oui bah je me doute. J'ai vu là, moi je suis je suis genre quelques comptes japonais qui font du un peu ce qu'on va faire avec Assemble with Care. Donc de la découpe par exemple de carton pour faire des objets et tout. Et là je vois tout le monde est passé sur enfin tout le monde. Oui, on peut dire tout le monde parce qu'il y a eu quand même pas mal de ventes qui sont passées sur Zelda. Ah, je soupçonne quelque chose. D'accord, j'ai compris. Donc ça c'est les grands, c'est les, on les range par famille. Et le truc c'est que je vois des constructions, juste les constructions ça me donne envie. Voilà. Et c'est déjà dur pour moi. Mais casse-toi le chat. Ok, ça c'est placé. C'est placé. Pas là. Bon, on continue avec notre symétrie. Ouais, mais j'ai mis ça là, donc ça sert à rien. On a un problème de beaucoup de choses, hein. Bon, là, on va mettre l'étoile au milieu. Voilà. Et pour l'instant, rien n'a été validé. Hein. Il n'y a pas eu le petit son là. Pour nous dire, ah, au fait, c'est validé. Il y a des placements, mais il n'y a pas de. Il y a un problème quelque part dans cette histoire. Il y a trop de choses mis à l'écart. Du plus petit au plus grand, allez. Et ça, ils l'ont déjà fait. Casse-toi, le chat. Ça, ils l'ont déjà fait, le plus petit au plus grand. Donc, il nous faut... Non, mais... Il nous faut... J'imagine que ça, c'est considéré comme... Non, c'est pas ça. En fait, ça se place toujours bien. On peut les approcher un peu plus. Ça, c'est intéressant, par contre. Mais c'est vraiment pas bon. Hein. Il y a
un truc qui est vraiment pas bien. En fait, c'est possible que tout ça, ce soit en bas. Et du coup, que ça, ce soit en haut. On va faire les 175 heures de Zelda, mais sur A Little to the Left, je crois. Là, il y a des arrondis et tout. Archi long, je comprends pas en fait ce qui non. Ah non. Excusez-moi, j'ai failli quitter le OBS. Loul. Voilà. Attendez, je vais essayer mon easter egg maintenant pour voir. Marche pas, mon easter egg marche pas, c'était sûr. On va aller chercher la solution, j'en ai marre. Indice. Oh non. Alors on va juste gommer le passage où il y a de la couleur. Mais on peut pas modifier. Ah si. What the fuck? Donc symétrie plus chevauchement. Ah ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qui est à 90 degrés dans le coin? Je vois pas. Donc déjà, il y a une symétrie, donc ça veut dire qu'il y a une ligne au milieu. On va séparer les choses. Qui est seul là? Voilà. Et ensuite, on a le bon nombre de chaque côté. Par. Qu'est-ce qui est à 90 degrés dans le coin? Et pas grand-chose, en fait. On va gommer encore un peu de l'indice. Hein. C'est censé être compréhensif, ça? On a juste pris le bas et j'ai déjà envie de me dire que ça marche pas. Là, il y a une croix. On va gommer au milieu pour voir s'il n'y a pas un truc au milieu. Ah! Bah oui, ça, c'était bon, ça, du coup. Mais c'est un peu plus haut. Trouvons la place. Ici? Ok. Donc ça c'est la séparation. Ensuite, il y a un truc à 90 degrés en bas là. Je ne sais pas où. Je ne sais. On va passer 78 heures dessus, j'en peux plus. Qu'est-ce qui fait 90 degrés là, même si tu les chevauches? Il y a un truc rond en plus. Ça c'est rond ça. Ok, 90 degrés c'est quoi? C'est seul aussi, ça doit être au milieu, ça aussi, hein. Quelque part au milieu. Hein. On peut pas les faire rotater, on peut pas les rotationner. En tout cas, il apprécie que j'essaye de faire de la symétrie. Après, il accepte pas ce que je lui propose. Je pense que le problème, ça va être de remplir tout, en fait. Mais non! Le chat, je l'avais pas vu. Thank you.
être. Non. Non. Je suis déçu. On est revenu. Avouez qu'on est revenu au point de départ. Bon, on va faire le haut. Oui, mais c'est ça, c'est symétrie oui, axiale. Ça, on avait compris. Du coup, il y a peut-être un problème sur ma symétrie. Attends. Non, non, non. Pour l'instant, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça se touche un peu. Il le fait remonter à ce point là, c'est bon. Là, il a fait descendre. Voilà. Ah, c'était à 3 mm près, j'en peux plus. Ok. C'est le jeu des 7 erreurs, c'est ça? Ça a l'air d'être ça, ok. Celle-ci, c'est du coup celle-là. Là, il y en a un peu. Là, c'est bon. Ça, c'est bon. Bon. Ça, c'est bon. Là, il y en a deux. Celle-ci. Ah ouais, faut pas se tromper là. Parce que après, tu reviens en arrière. C'est pas possible en fait. Ça, c'est bon. Ok. La suite. Là, il y en a une ici. Donc, c'est celle-là qu'il faut que j'enlève. Non, celle-là. Attends, celle-ci. Ok. Petite. Petite. Il paraît que ça a baissé le coût des cartes graphiques. Faut que je trouve un truc, moi, pour pouvoir... pouvoir travailler, là, parce que, il commence à décéder, mon ordi. J'ai cru comprendre que c'était que ça commençait à être compliqué les mises à jour. Là il y en a une ici qui n'est pas bonne. Je vérifie. Vérification. C'est bien celle-là. Ok. En plus le pire c'est que si je loupe, j'imagine la vitesse à laquelle ça va repousser. Et ok, ok, ok. Alors, ce qui va être compliqué, ça va être de revérifier après. S'il doit en manquer là. Ok, ici. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Là. Mais non, mais en même temps, si on fait des trucs le chat, s'il te plaît. Baisser, oui. Alors, baisser en augmentant avec l'inflation, bien entendu. Bon, allez, hop. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc, c'était vraiment les types de roches. Que ça, ça donne ça. Hein. Ah, ça marche! C'est les motifs! Là, ça va être les couleurs. Du coup, les yeux globuleux là-haut. Là, il y avait plusieurs réponses, c'est sûr. Dans celui-ci. Ah, même pas! Ah, d'accord, c'était que ça. D'accord, donc ça, il faudra les ranger, et j'imagine, par rapport à là où, ce qu'il y a en haut. Et c'est en inversé. Donc du coup, est-ce qu'on ferait pas d'abord le tri? Là, par exemple, il y en a une qui devrait être en bas. Il y a un nez. Il n'y a pas de nez en bas. Ça, c'est quoi, ça? C'est quoi, ces trucs-là? Là, il n'y a pas ça là-haut. Pas ça non plus. Ah, il est double? Oui, il est double. Ok. Et ça, c'est quoi ça? Ça, on l'a pas non plus. Ok. Et
Et maintenant, on va devoir essayer d'aligner ce genre de truc-là. Quel enfer! Alors déjà, je pense qu'on peut trouver le truc qui doit s'insérer là. J'avais pas vu ça. Hop. Et peut-être passer sur le côté. Compliqué, hein. Parce que ça rentre pas. Hein. Ah, attends, non. Ça peut faire comme ça. Ça non plus. Après, ça c'est plutôt joli, mais est-ce que c'est bon? Je ne pense pas. Vous voyez pas derrière, hein, mais il y a la tulipe. Enfin, une sorte de tulipe. Il y a peut-être les cœurs en cage là. Enfin, ça ressemble pas vraiment à un cœur en cage, mais c'est pas loin. Il y a déjà une. J'en peux plus. Comment on va faire? Si je les jette, juste. Je sais pas, genre, je dois aller. Ça, c'est les trucs qui sont décédés, et du coup, faut que je les mette dans le compost. Bon, ok, on va faire la même technique que tout à l'heure, séparer, là on a fait le tri déjà. De toute façon on est peut-être sur le thème du tri et de la symétrie. Ah, ah ah, peut-être, faut faire un Transformers peut-être. Tu as des feuilles et des graines, faut trier les feuilles et les graines. C'est ça l'histoire? Les couleurs du coup, il y a aussi les couleurs, mais les œufs du coup c'est considéré comme quoi? C'est vrai que feuilles et graines ça pourrait être faisable. Hein. Et ça c'est des. Ah oui si c'est des feuilles. On voit quelle espèce c'est. Ok. La fenêtre, ça a été vite de fumer. Ou entre nous, ouvrir une fenêtre. Graines, les verts. Ça, c'est des graines. Ok. Et ça, du coup, tu considères comme une graine ou c'est... Parce que là, c'est pas vert, là, par exemple. Normalement, c'est censé être une graine, je crois. Ça, c'est des graines. Je note. Qu'est-ce qu'on fait avec? En tout cas, on peut faire une symétrie encore. Hein. Et il veut nous faire une symétrie. Donc, alors, attendez. Parce que... Ah! Ah! Il a trouvé sa symétrie axiale. Ok. Peut-être. Peut-être. Alors, peut-être. Il a peut-être trois tas. Ah oui, mais c'est pas les... Je pense pas qu'il veut... Alors, vu le jeu, Gigilou, je ne pense pas que ce soit juste... juste de faire des tas. J'ai tenté, hein, ça fait un moment qu'on joue à le jeu. Alors, j'ai tenté de faire des tas. Et ça... Apparemment, ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas pourquoi. Oui, par catégorie, oui, c'est possible. Ça, par contre, catégorie, c'est possible. Mais par contre, ils nous ont pas demandé d'avoir des connaissances, tu vois, un peu appuyées. Moi, je pense que je vais rester sur ma symétrie. Hein. Il a cherché la poubelle pour mettre tous ses déchets. Ouais. Après, la poubelle ou le compost, parce que, je sais pas, il y a certaines villes qui... Alors, j'ai appris que c'était pas dans toutes les villes, mais il y a certaines villes qui vous fournissent hein, des outils pour créer votre propre compost. Hein, donc, n'hésitez pas. Voilà, on va faire un beau herbier. On va te mettre là, toi. Comme ça, c'est plus joli. Comme ça, ça fait... C'est mieux. Ensuite, on va mettre les feuilles au milieu. Peut-être que ça, du coup...
Vers l'extérieur ici. C'est pas ça. Je crois que ce n'est pas ça. Il y a un placement qui est pas bon. Il n'avait pas été validé. Ah voilà, c'était bien sûr. Donc oui, on est encore sur la symétrie. Après, c'est joli, hein. Moi, j'apprécie la symétrie, j'avoue. Les ailettes vertes, bravo, GG. C'est vrai que peut-être que en étant plus petit, vous avez plus de possibilités de m'aider sur la symétrie. Hein. C'est vrai que de loin, c'est mieux. Alors, tu vois, là, par exemple, j'essaye de faire un petit truc qui est de réussir sans réfléchir. C'est des fois très compliqué à faire. Ne faites pas ça chez vous. Donc moi j'imagine que... Alors, il y a les pleins. Et après, il y a les tachetés. Hop, hop, hop. Ah oui, d'accord. Ah! I know what you need to... Ah, je vois ce que ça va donner. Quel enfer, tu fais des switch. Ok. Du coup, le plus petit. Je sens que ça va être ça. Salut Nelintu. Que des cailloux. Alors, je ne connais pas Kaamelott. Je suis désolé, je suis pas Kaamelottien. Je ne traîne pas à vendre de la Kaamelott non plus. Voilà. Je n'ai jamais vu Kaamelott. Pour trigger tous les Kaamelottiens. Je n'ai jamais vu aucun épisode de Kaamelott. Couleur et taille, ok. Couleur et taille. Donc là, il y a des couleurs. Taille. Taille. On va échanger celui-ci pour avoir un plus funky. C'est bon, maintenant, cela. En fait, je suis en train de réfléchir, là, je suis en train de me dire. Alors, c'est pas que j'aime pas. J'ai jamais vu. J'aime les kiwis. Alors, oui, mais sans la peau, pour la référence. Non, mais en fait, c'est juste que... jamais tombé dessus, j'avais d'autres trucs à regarder. Même quand il y a eu les films, voilà quoi. En plus, le pire, c'est que je suis un bon consommateur de... alors, de séries, oui, et de films aussi. Pendant longtemps, j'ai quand même fait un film par jour, donc voilà. Et les kawaii? Les kawaii, ça dépend lesquels. J'avoue, ça dépend. Petit rayé au plus grand, ligne 1. Et là, c'est pas rayé, ça? Bah, apparemment, il y a un streamer qui est connu, hein, qui pour manger des kiwis, suffisamment pour l'avoir dit à Maudit dans... Alors, si vous voulez retrouver le moment où Maudit teste un kiwi avec de la peau, c'est dans... Furax. Deuxième jour, je crois. Tacheté au petit et au grand tacheté. Mais ça, du coup, c'est considéré comme une ligne. Parce que là, il n'y a pas de... Il n'y a plus de tache, là. Ça, c'est des taches, ça. Là, c'est considéré comme plus grand. Parce que là j'ai compté en masse, là. En rapport de masse, je pense que si tu lances celui-ci, plus efficace que celui-là. Rayé en bas au centre. Celui-ci, là? Non, celui-ci, oui. Et donc, du coup, c'est celui-ci qu'il faudrait que je monte? Je comprends pas.
Après, c'est comme les bananes, hein. Il paraît que les bananes, tu peux les manger en la peau aussi. Va en haut à droite, là. Je suis là. Et je dois aller en bas, ici. J'ai tout cassé. Comme ça? Attendez, je reviens un peu. Ah, c'est peut-être de ce côté-là que tu veux dire qu'il faut faire la ligne? Au lieu de... C'est ce que j'étais en train de penser juste avant, c'est... La technique qui pourrait nous faire prendre 15 millions d'années, c'est de changer le mode de lecture. C'est-à-dire de dire que c'est plus de droite à gauche, mais de gauche à droite. Et là t'as beaucoup de monde qui est perdu. Excuse-moi, mais le fait d'avoir bougé le truc, ça a tout déplacé. Je vais essayer de tout remettre. Celui-ci irait en haut à droite. Okay. Mais du coup, il y en a un qui va être en moins. Ou c'est moi qui ai pas compris lequel. Mais pour ça, c'est bon, hein, ou pas? Là, le problème, c'est qu'on a les unis, il y en a un qui est rayé, là. Enfin, pour moi, c'est pas taché, ça. Non, en arrière. Attention, arrière avait été presque automode par Twitch chat. Apparemment, arrière, c'est pas bien. J'arrête. Je touche plus à rien. Je pense qu'on peut, on peut appeler la première ligne A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, si tu veux me le dire plus simplement. Noir un cran au-dessus, donc ça serait... Ce stream utilise... Oui, bon, ça c'est bon. Donc noir 1, ça serait donc C1 en B1, c'est ça? Sachant que ça va inverser le vert. Donc B1 deviendra C1. Ok. Là on est d'accord sur plus ou moins la taille. Après moi je suis pas d'accord vraiment sur la masse ici, mais ok. Et ça pour toi c'est tacheté? Moi j'ai l'impression que ça, on dirait que c'est les mêmes reflets que ça. Un peu transparent quoi. Alors voilà, transition table par exemple ne fonctionne pas et closed captioning fonctionne, Tuna fonctionne pas. Alors du coup B1 est maintenant en bon endroit. Mais on a un problème de tâche. Est-ce que ce serait pas un ensemble en fait? C'est ça aussi, c'est pas forcément la ligne. Hein. Le pire c'est que si c'est un ensemble, ça voudrait dire que... Plus compliqué qu'on le pense. Parce que là, je vois pas trop... Il nous manque une tachetée. Est-ce que ce serait pas aussi, par exemple, une organisation par... au fur et à mesure, ça se désagrège. Tu vois, par exemple, des segmentations de pierre, par exemple. Et après, ça se consolide, mais là, je vais être un peu loin, peut-être. En tout cas, là, c'est pas validé. Si vous voulez, on regarde le... Faut peut-être séparer avec les couleurs. Ah oui, c'est possible. On va regarder l'indice, attends. On va faire une ligne dans cet indice. Pour essayer de comprendre juste le système. On va faire une diagonale. Alors déjà, tu vois... Tacheté, rayé. Rayé. Oh, oh c'est un... Ça y est, j'ai compris. C'est un morpion. C'est un morpion. Du coup, il faut avoir un tacheté, un petit. Comme 48, là. 24-48, là, le truc où tu dois calculer... Enfin, non, pas 24-48. Comment s'appelle le jeu que tout le monde jouait pendant 15 ans? Ah, le Sudoku. Le Sudoku. Donc en fait, il faut un tacheté, un plein. Un Sudoku. Voilà.
2048, merci. Donc là, on a un problème ici. Voilà. Et là, on a un problème là. Celui-ci, là, il faut le jarter, mais alors, du coup, pour aller où? En plus, faut trouver les bons emplacements, là. En fait, faut que ce soit aussi rangé du plus petit au plus grand. J'ai vu qu'il y avait un petit ici, mais je suis pas sûr. Celui-ci, ça m'étonnerait pas. Mais attends, mais... On va inverser ça, si tu veux. Ah non, mais là, il y en a deux plans, c'est normal. C'est normal. Mais du coup, comment... Lequel est le bon? Comment je suis censé faire? Bon, alors, celui du milieu, c'était quoi déjà? Donc c'est un rayé, ça. Avec une grosse tache noire dessus. Donc c'est bon. Ça, c'est celui du milieu. Est-ce que le vert, ce serait pas là-haut, par exemple? Il est en train de nous dire, on dirait qu'il y a un peu de vert. Pas cette tâche là ici. Faut que je les classe par couleur aussi. Ça c'est la même couleur et j'ai un vert ici. Oui, ça c'est un multicolore. Pas bête, pas bête, pas bête, pas bête. Genre t'as des cailloux à deux couleurs et un caillou avec les quatre. Noir en A1. Merci. Je prends. On va mettre les verres en bas. Couleur unie dans les coins. Pas bête, pas bête, pas bête. Merci Ringbell de donner de ton intelligence sur le coup. De ta sagesse, je sais pas ce que tu préfères. Alors oui, parce que du coup, maintenant, il faut peut-être faire selon ce qui est écrit sur notre cher ami. Parce que c'est vert en haut, noir ensuite, j'imagine que ça doit être ça. Rose. Et orange. C'est pas un orange. Je pense pas que ce soit un orange. Et donc maintenant, l'idée, c'est trouver qui va où. Tac. Et ça, c'est censé être avec le vert. Ça, c'est censé être avec le rouge et noir. Donc du coup... Et là... Ah oui, c'est censé être comme ça. Oh mon dieu! Ah ça, je préfère ça. Ça, c'est plus ma cam, j'avoue. Quoi, j'ai déjà fini? Allez. Hop, on range. On a un coin. Petite pensée à Eva Samaï et ses puzzles de l'enfer. Oh, oh non. Me fais pas le coup. S'il te plaît. Ok, donc ils ont fait, en plus ils ont fait le coup du coin de l'enfer. Alors attends. Ah là 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 là, ils l'ont pas fait qu'une fois, ils l'ont fait trois fois en plus. Oh là là là. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, est-ce que ça se passe ? Oui. Ah, ça devrait marcher là. Ah, j'imagine qu'il y a un problème aussi sur les couleurs, le fait que les couleurs ne se touchent pas entre elles. Ok. Ça se passe ici. Là, il nous faut un truc un peu... peu plat, quoi. Ça. Merci à une belle hein, de ton aide. D'ailleurs, je n'ai pas dit. Tu as un coin vert hors cadre? Ah oui, celui-là que tu avais pas vu peut-être. Mais attendez, je vais essayer de vous...
montrer un peu plus. Ah, celui-ci, tu considères... Ah non, mais ça, c'est la... En fait, le cadre, ça, c'est l'intérieur du cadre. Pour poser les choses. Donc là, c'est bon. Normalement, si c'est ça ta question. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux les formes. À un moment qu'on est dessus, donc je pense que vous avez compris où on était. Time. C'était quoi ton... Parce que je vois pas hors cadre. Pour moi, il sort pas du cadre, hein. Il est dedans. Hein. C'est juste que c'est un effet d'optique pour pouvoir dire que c'est un cadre avec un fond profond, quoi. En vert... Ah, à gauche! Ah, celui-ci, tu vois, tu le mettrais ici? En vert à gauche, dans le cadre, à droite. Ah oui, c'est le coin. Ok. Je viens de comprendre. Merci. Mais j'étais bien parti pour ça, là, sur ce côté-là. Comme ça, c'est pas mal aussi. Pour un grand plat. Voilà. J'essaye de garder les trucs en hauteur pour vous. Ensuite ça. Du coup ils ont pas caché les coins, c'est juste que c'est un truc comme ça. Celle-là. C'est joli. J'avoue, je me demande à quoi ça doit ressembler, à une sorte de cadre comme ça avec des pierres. Faut les jeter? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Encore de la, c'est encore du parallèle? On est censé savoir ce qu'on fait là. Oh là là, faut trier là. Alors on va trier déjà parce que... Oh, c'est de la symétrie encore. Oh, j'ose espérer que c'est de la symétrie simple. Oh non, c'est 4, c'est 2 symétries axiales, j'ai l'impression que c'est ça. Là, il y en a une qui va être ici et l'autre là, par exemple. Si ça marche... Oh, ça marche. Donc ça veut dire qu'il y a... Ah non, c'est peut-être juste de base. Donc non, mais c'est bon. On a choisi du coup, hop. On va laisser les trouver ici pour l'instant. Merci Gigilou, mais tu m'as beaucoup aidé. Enfin, tu m'as aidé, en tout cas. Hop, là-haut. La petite. Voilà. Celle-ci. Pas la même que ça. Hein. Là. Là. Prends la souris pendant que tu animes. Tu veux dire le... pour arrêter? Ou pour jouer à ma place. Je pense que c'est pour jouer à ma place. J'avoue là que c'est pas un grand skill, hein, mais j'essaye. Ouais, en fait, vous êtes bien placé. Je comprends pas pourquoi vous me prenez la tête là. Voilà, donc toi, tu es tout seul. Tu vas être au milieu. Voilà. Oh, oh, vous êtes sortis en même temps. Non, presque. Thank you.
C'est joli. Merci le chat-chat. J'ai pensé à toi aussi à l'image, je me suis dit est-ce qu'on va jouer à Floppy Knight si je finis vite? Je pense que ce n'est pas le cas. Oh, non, ah les silhouettes, ça c'est cool. Trouver les silhouettes des trucs. Bonne idée ça. J'aurais dû acheter une souris qui fait moins de bruit peut-être. On n'est pas loin, mais je comprends pas ces silhouettes de... Oui, c'est ça. Ah, c'est juste de l'ombre. Peut-être. Mais j'ai l'impression que c'est ça, en fait. On cherche l'angle d'ombre. J'ai l'impression. Je peux pas zoomer. Je peux pas dézoomer. Pas loin, hein, en tout cas. Peut-être pas ça. Alors là, je suis au maximum. On essaie de trouver les bords de ce truc. Du PNG, là. Ok. Là, on retombe sur pas grand-chose. D'accord, donc du coup, tout se passe au milieu, j'ai l'impression. Rosace, on dessine une rosace avec le soleil? Ce que c'est comme objet. Pensais que ça allait être simple, mais pas tant que ça en final. Faut aller chercher le truc. Hein. Bon, là, je suis allé trop bas. Je monte un peu. Enfin, on l'a déjà testé, je crois. Pas grand chose, hein. Ah mais oui! Mais oui, mais c'est une lentille, que suis-je bête? C'est plus simple comme ça. Donc oui, voilà, on va pouvoir faire des trucs maintenant. Alors attendez, parce que nous on avait trouvé, c'était notre... c'est ça. Maintenant on augmente la lentille. C'est un microscope, hein, on est d'accord. Hein. Moi je suis. Je me dis, il y a un truc qui bouge au milieu, je vais pas m'amuser à faire autre chose. Mais apparemment, si. Ça, j'y crois pas trop, mais on tente, hein. Là, par contre, j'y crois un peu plus. Il faut zoomer là. Non, on va dézoomer. Si tu veux, on dézoome. Ah, parce que ça fixe. Ça fixe la taille, donc il y a un sens. Ah oui, donc ça va être ça, je pense. Un sens de qui commence et qui enchaîne. D'accord, ok.
Parce qu'il y avait le... En nettoyant la lentille de ton microscope, Tomato Juice. Donc maintenant, il nous faut juste les taches qu'on a vues ici, quelque part. Je crois que c'est quelque part ici. Les taches. On va dézoomer au max, mais normalement, les taches, elles sont en rond ici, voilà. Ah non, mais en même temps... Attends, y a un message que j'ai pas vu? Ah, parce que pour prendre la souris, c'est ça, c'est que en fait ça vous donne envie de jouer à la place des gens. Vous êtes grave. Vous êtes grave. Moi je regarde les gens jouer, je me dis c'est cool, fais-toi plaisir, tu vois. Oh, mais il y a que des lentilles là? Mais là on est parti sur le mode Vas-y, on prend le gros là. Prend le max. On prend le max direct. Donc là on va devoir faire des superpositions pour pouvoir avoir pile la taille et en même temps rajouter des choses parce que je sens que ça va être ça et ça va être compliqué, on va faire des combos. Ok, je pense qu'on n'a pas fait le plus difficile. Donc là, il nous faut là, par contre la tête. Parce que là, si on n'a pas la tête, là, c'est compliqué. Les pieds, je pense qu'on va les trouver faciles. Tête est là. Ouais, c'est un peu l'idée, hein. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi, du coup, Nagol. C'est qu'il y a des jeux où je me dis jamais j'y jouerai. Un exemple, Isaac par exemple. J'ai pas envie d'y jouer. Pas que ce soit pas intéressant, mais ça demande trop de... Ça demande trop pour Isaac, ça demande trop de temps en fait. J'ai pas le time pour ça moi. Le time pour beaucoup de choses là en plus en ce moment. En ce moment, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de stream, c'est que je rentre, je dors. Pas comment je vais pas tenir longtemps dans le système du travail là, c'est pas possible. Tant qu'on abolit. Pourquoi il veut pas valider mon truc là? Faut d'abord faire les pointes et après faire le carré. J'ai commencé par un milieu. Ah bah du coup... Ah bah non, ça va être ça, bien entendu. Moi j'y crois pas à ça, mais... Ok. Oui, ça demande trop de temps. C'est pour ça que quand je regarde Petit Cancan, je me dis bah ouais, c'est bien. Tu vois, genre ça te fait plaisir, c'est cool. Moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, clairement. Mais en fait, c'est forcément celle-ci. Pourquoi ça n'a pas validé là? Forgone. J'ai pas vu Forgone. Celui qui apparaît tout à l'heure, Forgone for Shadow, je sais pas quoi. C'était trop haut, oh là là. Je soupçonne qu'on nous fait faire des flocons de neige, hein. Avec les mêmes images. Hein. Je crois qu'on est, c'est la saison hiver, c'est ça? Avant, c'était l'automne. J'y arrive plus. On est trop là? Non, c'est bon. Ok.
Mais du coup, Tomato Juice, tu l'as fini le jeu? J'imagine. Vu le temps que j'ai pris pour pouvoir m'y remettre déjà. Libérer les. C'est quoi, c'est une verte? Attends, tu peux partir. Je vais prendre la rouge. Et on est censé faire un truc, genre. Oui, c'est ça. On est censé équilibrer le truc. Donc, du coup, logiquement, c'est là. Quelque part ici, là. Entre les deux. Voilà. Reviens ici, toi. Toi, t'es là. Mais. Ah non, c'était la grande verte. Ok. Deux. Mais est-ce vraiment marrant ce jeu-là? Pauvres petites mouches, elles ont rien demandé. Bon bah c'est cool, du coup je suis content que t'aies bien aimé. Bon, on va faire juste une pause vite fait, histoire que je puisse boire et aller aux toilettes, vu qu'on est déjà au chapitre 5. Et ça a pris 15 ans, donc voilà, je reviens dans quelques secondes. Enjoy... alors déjà la musique. Je vais mettre la musique, parce qu'il faut la musique. Je vais vous mettre... ça. Plutôt. Et je reviens d'ici, ouais, 2, 3, 5... 5 minutes, le temps que je prends mon temps. Tu vois. Je deviens vieux, je prends mon temps pour aller aux toilettes, tout ça. Je bois de l'eau. Ce genre de choses-là. A tout de suite.
Re. Pourquoi la cover est revenue? Bonjour le chat, je t'ai donné à manger. Tu n'as pas besoin de venir me voir. Alors. Ah bah, le son il a remonté. Attendez, je baisse un peu le son. J'ai l'impression que c'est plus fort que tout à l'heure, non? Ah non, c'est peut-être que c'était la même force. Sauf que moi je l'entendais pas bien. Moi. Normalement, c'est bon. Allô? Faut la distance, faut que je sois très très loin. Vous entendez pas le chat, mais il est en train de me gueuler dessus. Hein. Ah, la balle. Faire tomber la balle. Ok. Ok. Ah, ok. Ok. On m'entend un peu, ok. On l'entend un peu. Alors, du coup, elle tombe là et elle devrait tomber quelque part là. Ah, ça revient au début. Ok. Pourquoi? Ah oui, parce que c'est la seule qui est dans le bon sens, d'accord. Là, on peut faire une petite pause pour pencher ça, peut-être. Voilà, je sais pas. Hein. Ah non, attends, attends. Ah, donc là, c'est vraiment le début. Il n'y a même pas de propulsion dans ce truc. Mais non! Mais non! S'il vous plaît, respectez-vous. Attendez, on va mettre. Hop! Hop! Bien vite fait. Millimétré. Je vais descendre un tout petit peu. Bon, là, c'était un peu trop. Je reviens Twitch en plein plantage. Alors là, j'ai un peu optimisé mon truc. Je situe qu'on doit avoir une arrivée qui est soit le basket, soit le truc. Là, j'aimerais bien savoir comment on utilise ça par contre. Eh mais s'il te plaît, le chat là! J'ai pas vu. Du coup, je soupçonne que. Ouais. Il est arrivé en haut. Ah, mais du coup, faut peut-être que je retourne celui-là. Maintenant. Non, je peux pas. Il n'y en a pas un qu'on peut retourner?
J'aime bien ce genre de truc depuis que je suis petit, hein. Les trucs de déplacement comme ça. Mais par contre, là, j'ai du mal à comprendre comment utiliser celle du milieu. À part que c'est des buts. Mais je vois pas à quel moment, autre que le trou, ou les trous plutôt, on arrive par en haut. Peut-être que si je retourne ça. On a déjà essayé ça. En tout cas, ils m'ont dit c'était bon. Ah, je sais, faut passer avec le. Faut passer devant là. Comment on va le faire passer devant? Parce que quand il passe devant, c'est là. Voilà, là, il va passer devant. Il faut éviter. Là, on va le mettre tout droit pour qu'il reste au milieu. Comment on va le faire passer devant? Et c'est ça le truc. Reviens ici. Premier plan. Premier plan. Allez. Je te force un peu là. Comment je le fais passer au premier plan? Du mal à situer un nouveau jeu, nouveau game. Hein. Ok. Bon. Le début était bon. Je soupçonne que le début est bon. Je pense qu'on n'arrive pas là-bas. On serait arrivé dès le début là-bas. Vas-y. Je veux juste savoir le côté, le haut là. Oui, mais ça on l'a déjà fait ça. C'est peut-être pas le bon truc à choisir. Oh, mais... Quoi? Pourquoi il l'a pas accepté tout à l'heure? Parce qu'il y avait plus de vitesse? Ok, maintenant il faut essayer de faire ça. Comment le récupérer ici? Bombe en bas. Ça paraît logique de tomber en bas, hein, mais des fois c'est pas le cas. Je sais pas quand. Alors ça s'appelle le mouvement perpétuel, je crois, ce genre de petite composition.
Ils en restent pas grand chose, donc je vois pas ce qui pourrait nous permettre d'arriver ailleurs. Ah, pas bête, le panier qui ne passe pas. Pas bête. Bonjour Bichette. Bravo. Ça a fait ting, tu as trouvé direct. J'espère que tu vas bien. Malgré l'envie de tout cramming du coin. En tout cas, merci, hein, parce que ça a fait ting-ting direct, donc du coup, ouais. Du coup, là, il veut plus. Alors, donc, il faut qu'il arrive et que je bouge très rapidement. Je ferai des chatoutes tout à l'heure. N'hésitez pas, vous pouvez, je crois, faire des chatoutes. J'ai oublié de vous le préciser. Ah, fallait que je bouge là. Peut-être de ce côté-là, c'est peut-être mieux. Faut que je bouge en même temps, je pense. Oui, essayez, hein, parce que normalement, j'ai mis un SO. Un SO partagé, autre que ceux que je crée moi-même. Bah non! Et c'est ça, droit, peut-être que ça va nous aider. Ah mais c'est... Fallait que ce soit tout droit! Pourquoi ça a pas marché tout à l'heure? C'était tout droit. Bon. Ah. Jeu de lumière. J'aime bien. Bonne idée. Très très bonne idée de jeu. Hein. Allez, on accélère. C'est quel moment qu'il nous faut? C'est par rapport à quoi là? Ah, c'est par rapport aux aiguilles, du coup. Faut qu'on tombe en même temps que les herbes. Je crois que là, c'est bon. Non. Pas loin. Pas bête, hein. Pas bête, hein, ça, comme jeu. Ouh, oui. Très bonne idée! Excuse-moi, Nagual, c'est vrai. Allez, je vais faire des chouchoutes à toutes vos chaînes. En commençant par les dernières arrivées. Alors, Bichate. Bon, comme ça me permet de vérifier si le chouchoute fonctionne. Eh ben non! Voilà, c'est ça, la mise à jour, tout ça. J'ai pas fait de faute. J'en peux plus. C'est pas comme si j'avais pris 15 ans à préparer tout ça en plus. Attends, je crois que j'ai peut-être. Ah, peut-être qu'il faut que je mette le hat. Je sais pas. Je sais plus, j'avais tout préparé et tout. Ah, mais si, vous l'avez vu! Pourquoi moi je le vois pas sur mon téléphone? J'ai banni mon propre bot? Moi je le vois là. Ah, du coup, tu le vois aussi, Bichette. Ok. Ensuite. Voilà, je peux faire des shototes pour les personnes qui sont passées. Gigilou, allez. Cadeau, hein. Tenez, Nagual, qui n'aime pas le Rutabaga. Tenez. Tenez, mon cher. C'est pour, je me doute que Gigilou, je crois que tu ne streams pas, mais voilà. Nagual non plus, hein, mais... Quoi que Nagual, si, tu streams, non? SO Tomato Jules, alors... Ah, c'est pas partagé, apparemment. Non, si, c'est bon? Non. Mais pourquoi vous voyez pas? Est-ce que vous voyez 12 bis traîner dans le coin? Parce que moi, je le vois. Moi, je vois le tomato juice, c'est passé aussi. T'as une chaîne de conseils de stream. Ah, je savais pas. Donc, on continue, hein, Nagual. 79. Je sais pas pourquoi tout à l'heure je voulais mettre 56.
Ça marche aussi. Il y avait Nelintou qui passait aussi, alors du coup, je ne sais pas où est Nelintou, voilà. Comme ça, ça m'évite de le faire à la fin, parce que je vais oublier, hein, je vous le dis. Mais n'hésitez pas, hein, et bien sûr, le VIP du coin, Raving Bell aussi. Quelle idée de mettre des underscores là dans vos noms? C'est compliqué, hein? Toujours présent, ok, cool. Alors, du coup, ça existe toujours le. Ah oui, il y a un time. Je pense qu'il y a un temps de décalage. Une sorte de liste. Donc là, normalement, Raving Bell va arriver dans pas longtemps. Bon, on jette le roi déjà. Faut les ranger par ordre? Ou juste par grandeur? On va dire grandeur, hein. Parce qu'il y a toujours aussi les shoutouts personnalisables. Mais j'ai pas mis le. Je crois que j'ai toujours pas fait la mise à jour, je crois. Quoique si, pour Rainbow, je crois que oui. Voilà, j'ai mis à jour, j'ai enlevé que tu faisais du point de croix. quelque chose qui n'est plus sur la chaîne de Rainbow. Bon, bah apparemment c'est pas ça. On va faire un rock, hein. Peut-être que c'est ça le truc. Rock. Rock. Oh! Jeu d'ombre. Ah, j'avais point vu. Ok. Et donc maintenant on peut ranger. Dans Fall Guys. Oh! Elles sont en connexion! Voilà, je t'ai créé petite. On va t'appeler comment? C'est la main d'Iti, on va dire. Regardez, c'est la main un peu cassée là, de ce côté-là. Enfin, c'est le bras là. Et là, il y a la main. Voilà, avec le doigt. Vous en pensez quoi? Bon, j'imagine que tu dois être ailleurs. Il y a d'autres trucs ici. La liaison pour le dessin. Non. Ah. Liaison convalente de 3, peut-être. Voilà. Ok. Oh, ça va être trop mignon. Je sens que ça va être mignon. Allez. Un truc joli ici, là? Non. Là? Non. Ici? Ok. Ah, ça, par contre, ça, c'est pas bien à faire. Ah, j'étais trop près pour ce mouvement. Ah! On va y arriver. Là, il y en a 3 là. Donc une liaison convalente quelque part ici. Voilà. Là. Ah oui, carrément. Ouais, c'est pas une petite en fait au final. Mais c'est un chat! C'est un chat couché! Toi, tu vas être là. Il en manque une. À toi. Ça c'est le genre de jeu que j'apprécie. Là, on range plus, tu vois. Ça, c'est rigolo. J'essaye de trouver des constellations.
Et là, il manque un truc ici. Là. Hop ça. Il manque des étoiles. On va éteindre des étoiles. C'est quoi? Ah, il manque une oreille là. C'est le chat qui se roule en boule. Et l'étoile. Laquelle? Payer maintenant? Celle-ci là? Allez là, ok. Allez, petite étoile, petite oreille. Alors déjà, on range le bureau. Ah, faut ranger au même endroit les choses, d'accord. C'est quoi qui se passait? Ah, tu tournes. Trop réel. Trop réel comme truc. Donc, c'est jaune et vert. C'est quoi ce bureau de... Je sais pas... Ça c'est quoi ça? C'est un truc pour accrocher les post-it là? Ah non, c'est les clés! LOL! Voilà, bon, on va mettre ça ici. Ah, les clés, on peut pas les bouger. Trop rangé pour moi. Ouh là là. Ah oui, il y a les couleurs. Bleu. Bah ça c'est bon, c'est bien rangé. Ça c'est plutôt bien. C'est ça qu'il faut faire dans le... Peut-être ça, inverser, c'est peut-être pas très intelligent de faire ça. Ah oui. Bien sûr. Parce que c'est en action. Concha, exactement. Bon là, c'est fini ou pas? C'est pas la bonne heure, j'ai pas mis pile. Faut que je mette à 10-10. 5 plutôt, 10. Logiquement, là, sur l'heure, il est plus 6-7, hein. Alors, on va te laisser là. Du coup, le vert droit. Ouais. Ah, mais parce qu'il était pas au bon emplacement. Ah, il prend la tête. Hein. Voilà, c'est fini. Oui, le sablier, faut le mettre en mouvement, ouais.
Mais c'était surtout les positifs. Ah bah du coup, voilà, on en est au moment du tout cramming, c'est bon. C'est bon ça, allez. Non. Bon alors du coup, c'est quoi qu'il faut faire? Parce que je clique, mais ça ne change rien. Ouh. Elles sont branchées. Là, il y en a deux ici. Hein. Ah! Ah! Alors, je veux bien comprendre. Du coup, ça, si je l'envoie ici, est-ce que ça vole? Déjà, les rouges avec les rouges, du coup. Hein. Non. Donc ça, c'est vraiment pour changer les couleurs. Voilà, amuse-toi bien. Moi je veux ça. On peut secouer? Non, toujours pas. Mais... bah, il en faut une de chaque. Ok, donc si je mets dans rouge ça fait jaune. Si je mets dans vert ça fait bleu. Si je mets dans bleu ça fait violet, donc du coup il nous manque rouge. Laisse non rouge. Du coup, il nous faut vert. Comment on fait vert? Ah oui, parce qu'il faut rajouter des couleurs, du coup. Maintenant, jaune. Pour faire du vert, il nous faut passer par le bleu. Le bleu, c'était quoi déjà qui nous a fait? C'était rouge. Orange, là. Ah, il est passé à rouge. Ok. Alors, attention. Orange fait rouge. Donc là... jaune. Jaune plus... même plus. Je sais même plus mes couleurs. Vert. Voilà. Ok, c'est bon. Ça, on a le vert. Je vais mettre dans... voilà. Ah oui, du coup, faut que je protège le vert. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Orange. Ok, j'ai une orange. Très bien. Hop. Maintenant, je veux du jaune. Il nous manque le bleu. Et le bleu, de mémoire, c'est ici. Voilà. Mais on a déjà du bleu. Non, c'est violet. Hop. Vert. Jaune. Orange. Rouge. Voilà. Je vous ai préparé vos petits... vos petits équipements pour... c'est mignon, c'est avec les couleurs. J'espère que vous appréciez. ouais, mais du coup, faut qu'il y ait un numéro, j'imagine. Parce que là, c'est pas que ça, j'imagine. Ça m'a l'air de marcher. J'aime bien quand même l'idée. T'as ta pochette et du coup, t'as... ah, ça a resté... il en a fait une de plus, là. Bleu ? Non, c'était la violette. Attends, je comprends pas. Le violet fait du rouge et du bleu, ça paraît logique. Ok. Et le jaune, il fait quoi? Le orange, parce que c'était rouge. Ok. Là, le orange, c'est du rouge et ou du jaune. Donc si je le remets dans orange, il va me refaire le rouge. En fait, je comprends pas pourquoi tu... violet... ah, il a fait du rouge. Ouais, bon, bah c'est bien, mais du coup, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Là, il doit y en avoir deux, parce qu'il y en a deux. Là, il doit y en avoir une, parce qu'il y en a une. Là, il doit y en avoir une, peut-être en diagonale. On va mettre deux bleus. Allez, diviser le rouge. Et on va pour voir. Non. Sauvegarder ce vert déjà, hein, parce qu'il n'y en a besoin que d'une. Voilà. Ensuite, mets-toi dans le bleu, ça fait du vert.
Après, je sais plus. Moi. Bon, ça va un coup bas. Vas-y, vas-y, orange. Allez, donc rouge. Bleu. Il y en a deux, ok. Ça, c'est un symbole que je ne connais pas. Donc là, il y en a zéro. Il n'y a pas de rouge. C'est un zéro. Là, il y en a une. Quatre. Pour les pattes. C'est logique, lumière ou pigment? C'est pigment, là, pour l'instant. C'est-à-dire que tu... Je soustrais et additionne quoi les couleurs. Sachant qu'il y a une et deux. Il y a les trois qui sont ici secondaires du coup. Et celle-ci les primaires. Mais en fait le truc c'est que je ne capte pas... salut Nelly. Je ne capte pas comment ce qu'ils nous demandent en chiffres. Même si rouge, ça doit être 0. Donc du coup, il nous faut... ça, c'est peut-être 1. Hein. Ou rien. Barré. Là, tu soustrais alors qu'on a une lumière, tu additionnes. Oui, c'est vrai. En fait, t'as des passages de soustraction, c'est-à-dire que quand tu passes du côté secondaire, tu soustrais, parce qu'en fait, quand tu prends une... Par exemple, si je prends la rouge, là... Bon, je vais pas prendre la rouge, parce que... On s'en fiche, en fait, de la rouge. La rouge, elle est en primaire, en couleur. Si je la mets dans la violet, ça va devenir bleu. Parce qu'en fait, il va soustraire le rouge dans la boîte violette. Voilà, c'est un peu l'idée. Mais le chiffre, quoi. 1, 2, 3... Pas possible que ce soit 5, ici. Là, il y a 4, côté. Là, c'est vraiment 1, je pense. Ça, c'est... 1, j'y crois pas. Enfin, là, pour l'oiseau, je suis pas sûr. Celui-ci, c'est possible qu'il y ait rien, aussi. Hein. Mais le 0, là, il est trop visible. Donc ça, c'est sûr. Là, il y a 2 tentacules, donc c'est 2. Peut-être 2 ailes ou 4 avec la queue. C'est là qu'on va apprendre en fait que c'est les syllabes, bien sûr. Juste pour le... Bon allez, on va checker l'indice. Hein. On n'a pas trop le time, comme on dit. On reste ici. Juste, on va faire une boîte pour voir combien... Alors, quelle est la boîte qu'on a besoin? Celle qui est le plus compliquée, c'est celle qui est rouge, c'est la simple. C'est juste pour savoir si la logique est bonne. Si on prend la plus compliquée, ce serait la verte. Donc ce serait celle-ci, l'hirondelle. Parce que je vois pas trop ce qu'elle essaye de nous dire. Mais c'est quoi cet indice là? Mais ça on sait! Mais du coup, c'est trop simple, mais j'ai déjà fait ça, en fait, j'ai mis déjà une dans chaque. Mais, il se fout de ma gueule, le jeu. Il y en a... Oh, c'est une boîte de crayons, là, au milieu. Oh, mais quel enfer. Ok. Bon, allez, c'est parti, on va faire une rouge. Faisons une orange. Lol. Allez, hop, orange, vert, vas-y, fais-nous une violette. Jaune, on a juste à transformer les bleus. Donc du coup, on a besoin de rouge. Donc il nous faut... il nous faut du violet. Et voilà. Hop. Mais... Du bourre.
Ok. Faut qu'on transforme le vert et il faut qu'on. Il nous manque quoi comme couleur? Le rouge on l'a. Manque du orange. Orange on l'a. Ah, c'est bon, il nous manque le violet. Ouais, il nous manque le violet. Waouh, c'était la lumière, t'avais raison, ça fait du blanc. Incroyable! Et après, on fait quoi du coup avec? Le feu! Le feu! J'ai secoué le truc. Ah! On est dans les meilleurs passages. Alors, petite. Ah bah non. Alors, plus long, plus long, plus long, plus long, plus long, plus long, plus long. Voilà. Non, mais ça marche! Ah, du coup, ah oui, d'accord. Attends. Faut les arrêter au même moment? Bah non, mais vas-y, du coup, tranquille. Ah, ça grandit. Ah, j'ai compris, d'accord, ok. Je situe ce qui se passe. Je pense avoir situé ce qui se passe. Donc là, par exemple, tu peux agrandir les autres. Non, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Par rapport à la hauteur, j'imagine. Faut équilibrer le truc. Jusqu'où vous allez vous brûler là par contre? Ok. Donc faut équilibrer. Alors, on va prendre la plus petite. On va prendre la plus petite et la plus grande. On va baisser la plus grande déjà. Là, ça commence, ça fait un petit départ au même endroit à peu près. Oui. Allez, soyons parfaits. Non! Oh là là. Ah oui, du coup, faut pas louper parce que sinon tu. Ok. Rééquilibrer en plus, ok, d'accord. Là, si j'allume celle-ci par exemple, est-ce qu'elle grandit avec le surplus? Non, voyez, ça plus vénère le tout cramine. C'est vrai que moi je m'attendais pas à ce qu'on aille ce qu'on fasse à ce tout cramine là. Non, et sans. Ah, oui, d'accord. Du coup, en fait, si tu fais que enlever, on va essayer d'être là pour tout le monde. Là, elle grandit celle-ci. Quoi? Je peux plus éteindre. Quoi? Elle est déjà au maximum. D'accord, je comprends. Il y a une quantité à balader en fait. Il faut balader la cire. Et. Équilibré. Est-ce que je peux là? Ouais, super. Alors que j'augmente une. D'accord, c'est ça qu'il faut faire. Toujours pas. Ok, du coup je l'agrandis.
Oh! Oh, je... Alors là, je m'en doutais pas. C'était juste la fin, du coup. Une nature morte, c'est ça? Au niveau là? C'est les trucs en transparence. Ah oui, d'accord, ok. Faut mettre de l'eau dedans. Faut faire tout en par rapport au miroir. Ok. Let's go. C'est celui qu'il y a dans un des trailers, je crois, celui-là. Et moi, j'arrive pas à ouvrir ce truc. Ça s'ouvrira quand ça s'ouvrira. Mais ah, bien sûr, ça paraît logique. Alors, j'ai l'impression que ça s'est ouvert. Non, pas du tout. Quel jeu méta. Et maintenant, il me faut trouver l'allumette. Where is the allumette? Ah, je peux. Voilà, juste éteindre, ça suffit. Il manque un truc, mais je sais pas quoi. Ça là. Ça. C'est bon là? Oui. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Peut-être que c'est juste décalé. Voilà, ok. Là, je vois plus. Qu'est-ce qui manquerait? Il est pas inversé, là c'est bon normalement. Quoique, peut-être que c'est le crâne qui pose problème là. Pas dire. Je ne sais pas ce qui pourrait manquer.
à part l'emplacement spécifique du vase. Ah oui, c'est ça, c'est peut-être la. Ah, le vase est derrière. Ça, c'est devant. T'es censé être derrière, mon cher. Toi, tu veux absolument être devant. Là, c'est pas devant, hein, c'est derrière. Hein. Qu'est-ce qui manque? À part le fait que j'ai éteint. Vraiment, ça c'est bon. Fermez pas. Et là, il force de. J'ai pas mis dans mon... du bon côté le citron. Mais tu m'embêtes à la fin. Non, on sait pas exactement qui est devant, qui est derrière, mais... on va dire que c'est ça, hein, écoute. Vas-y, franchement, à un millimètre près, j'en peux plus. Ah, jeu de lumière. Oui. Non. Peut-être. Des boutons. Et puis surtout, hein, c'est comme ça que ça marche. Hein. Ah oui, d'accord. Ok, donc maintenant qu'on a appuyé sur des boutons, j'imagine qu'il faut dessiner un truc. Le cœur. Donc, le point de tout en bas, bon, ça doit être celui-ci. Là, on va les éteindre. Ah, c'est peut-être celui-là. Ouais, c'est plus logique ça. Là, ça suit, ça suit, ça suit. Ok, ok, celui-ci faut l'allumer, celui-ci on l'éteint, celui-ci on l'éteint, celui-ci, tac, ça descend, celui-ci on l'éteint, bon normalement. Ah, il y en a deux là, ok, ici il y en a deux. Là, il y en a que un. Ok. Maintenant qu'on a la forme, il faut. Ah, mais c'est tout? Ah, moi, je pense qu'il fallait compter. Bah, comme quoi. J'ai l'impression que le boss. Mais c'est. Thomas, tout juste pour qu'on soit d'accord. Il reste beaucoup de niveaux ou c'est la fin? Oui, non, chacha. On peut pète le 4. Ok, il y a une histoire de couleur. Là, il veut plus. Ok, c'est un jeu de rythme. Ok, c'est un jeu de rythme. Non, c'est pas un jeu de rythme. Faut pète le 4 sur l'oreille droite. Le 4 est pas content. Dis-moi que c'est pas un truc avec la musique. Vas-y, je vais smash, on va voir. Voilà, validé. Voilà, validé. Validé. Validé.
Bonne idée. Allez. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Encore, encore. Oui, j'ai réussi du premier coup. C'est la première fois que j'arrive à faire un truc de rythme. Et tout ça en pète un 4. Rien que pour ce passage, c'est mieux que Mass Effect. Hein. Ok. Wouhou. Dis-moi que c'est la fin. Oui, c'est la fin. C'est le, ça a l'air de, ça ressemble à la fin en tout cas. Oui, c'est la fin, trop bien. Faut trier quoi là? Y'a pas de tri. Pas sur Andromeda. Pas que Andromeda. Alors, moi j'ai. Je précise, hein, j'ai rage quit la dernière fois, j'en pouvais plus. Ah! Ah oui, il fallait encore remettre la symétrie, mais c'est pas fini du coup. On est dans le jeu du chat. Mais ça c'était bien, ça, ça c'était bien le premier jeu, comme ça. J'aime bien, moi. Oui. C'était moins bien, ça. Ça c'était clairement moins bien, je suis désolé, mais ça par contre c'était pas très cool. C'est de la symétrie, en plus. Oh mon Dieu. Oh non. Non. C'est quand même bien comme truc de fin. Waouh. Ah, le bruit sale. Ah oui, d'accord. Bon, des petites fraises. Ça, je vois tous les jours et on va risquer de le voir tous les tout à l'heure. Bah, faut les déplacer en même temps. Ok, j'ai compris. Ça aussi, c'est joli. En fait, c'est plutôt très très joli comme jeu. Il y a des trucs quand même vachement bien. Hein. Enfin, moi j'aime bien. Après, que. Y'a pas tout le monde qui aime bien ce genre de jeu, j'imagine. Mais par contre, c'est très joli. Après, ouais. Est-ce que j'aurais joué si j'avais connu le système de jeu? Je pense que oui. Malgré tout, je suis. Peut-être que. Ah oui, faut peut-être cliquer sur en ordre. 2, 4, c'est ça? 6. 8. 8, donc là ça doit être 10, 12. Il nous demande quand même des efforts à la fin. Ah, alors ça, ils auraient dû en faire plein, plein, plein. Les histoires d'ombre et de lumière, ils auraient pu en faire 15 millions. C'est une très bonne idée, ça.
Hop. C'est vrai que ranger son propre appart, c'est plus complexe. J'avoue, je vous montre pas, mais... c'est compliqué... Bon, on va mettre derrière, on dirait, quoi. Ah. Non, mais dans ce cas-là, t'achètes pas des trucs comme ça. Au bout d'un moment, faut s'arrêter. Oh là là, mon dieu. C'est joli, hein. Mais, s'il vous plaît... N'ayez pas des top power comme ça. Ça fait juste peur. Donc du coup, là... Ah, oui. Ah, le jeu nous en veut, hein. Franchement, il nous en veut. Là, franchement, en fait, c'est rigolo. Et en même temps, tu dis, mais pourquoi tu nous fais ça? C'est particulier, quoi. Je range des bento dans des bento. Ah, t'as fait quoi en stream récemment? Ah bah, j'ai rangé des bento dans des bento. Et bien sûr... Ah là 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 là. Ça, c'est des bacs à glaçons, ça? C'est quoi ce truc? Ça y est. Le jeu m'a fait craquer, ça y est. Bon, on fait quoi avec ça, là? Ok, d'accord, j'ai compris. Non, mais c'est... En vrai, c'est vachement intelligent aussi comme fin de jeu. Hein. Tu sens que c'est la fin de jeu. Tu sens que c'est la fin de jeu. Et c'est agréable. Oui, tu peux utiliser heal, t'inquiète. Non, les miettes, faut les ranger. Je range les miettes. Mais il y avait un truc comme ça où fallait les mettre en quinconce. Ça marche pas ici, du coup. Voilà, faut faire comme ça. Du coup, c'est ça. Du coup, faut choisir la forme qu'on prend. Oh, on n'a pas de quoi fermer le Tupperware. Ça y est, c'est en train de... Voilà. C'est en train de vous faire un teaser pour le A Little to the Left 2. Ah, mais je connais ce jeu. C'est Tetris. Faut pas des bleus? Jaune? Je suis censé les poser, là? Ah oui, d'accord. Vas-y, pars, toi. Ok, on passe à rouge. Faut me laisser poser, monsieur le chat. Allez, un grand bleu, là. Un grand bleu, s'il vous plaît. Voilà.
Pour te répondre, Gigilou, non, je ne rangerai pas. J'ai déjà un peu rangé. Paladin niveau 100 de l'éponge. Des petits là. Chat, prends les Tupperware. Là, c'est trop petit ça. Oh, c'est trop grand. On a que des grands. Allez, hop, on jarte. On peut pas bouger celui-là. Du coup, on fait lequel là? Ah, t'as des petits là. Non. Allez, un petit. Un petit. On s'en fout de ça. Excusez-moi, j'ai essayé. Non! J'ai loupé le. Celui qui nous fallait. Voilà, celui-là. Regardez bien le fond aussi, hein. Ça nous aide. Donc là, c'est rouge. Comme ça. Et rouge, comme ça. On saura plus tard, peut-être. Un jaune, s'il vous plaît. Ah, c'est mort, y'a plus de jaune. Ah. Jaune. Bon bah, on continue. Ça va pas tomber. Ouais, il veut pas accepter en fait. Okay. Du coup là je fais quoi en fait avec ton truc? On va te faire monter. Ce qu'il veut qu'on fasse. On fait la même chose en haut, je comprends pas ce que... Ah mais moi ça m'inquiète pas, hein. J'ai l'impression que c'est déjà la fin du jeu. Je comprends pas là, ce passage là, je comprends pas. Pourquoi il y a une division là d'un coup? Donnez-moi des trucs valables là, un bleu, je sais pas. Quelque chose qui ne sert à rien, vraiment. Et ça j'ai déjà fait en plus et ça marche pas. Faire une ligne un peu plus haut, c'est tout. Mais c'est ce que j'ai essayé mais ça a pas marché. Comme ça? Bravo Raving Bell. On va faire la même chose. Allez hop, on fait n'importe quoi. Voilà, on prend deux rouges. Voilà, on a presque une ligne. Voilà, on a une ligne presque. Maintenant, il nous faut faire monter tout ça. Et non! Ah! Bon, bah ça va être une jaune. Moi, ils m'ont perturbé avec leur histoire de hauteur.
Bon, vu le nombre de rouges qui me balancent, j'ai l'impression qu'ils veulent que je prenne du rouge, mais j'attends. Hein. Là aussi, c'était pas mal, hein, mais non. Donnez-moi du bleu, là. Mais on s'en fiche, là, du grand bleu, du petit bleu, d'un moyen bleu, quelque chose. Vas-y, prends ton rouge, au revoir. Ah, tout de suite, là, il y a du bleu. Ah, hop. Non, mais... Deg. Il m'a eu. Il nous faut du rouge. Ok. Celui-là, on va le garder. Ouh, celui-là, il est pas mal, mais il est un peu grand. Est-ce qu'on a un truc? Non. Non. Mais donne-nous autre chose, wesh. En fait, il suffit juste que tu lâches un truc, et hop là, ça, tout d'un coup, ça pleut. Allez, un petit. Hop là. Maintenant, il nous faut juste de quoi caler en dessous. Ouais, ouais, t'inquiète, regarde, je tiens pas. Pas du tout. Vas-y, mais pourquoi? 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 Vas-y, pas. Mais c'est trop petit, ça. Moi, je veux des petits, voilà. Des petits. Il m'en faut un moyen, s'il vous plaît. Ok, je prends. Un moyen, petit. Ah, ah! Je tourne la tête, il arrive. Ah oui, c'est trop haut. Bah pourquoi? Pourquoi il m'en veut? Faut faire que du rouge? Pourquoi pas? Je t'ai fait une marche! Pourquoi ça s'est tombé? Ça venait d'où ça? Ah, on veut pas de toi. Ah d'accord. Bleu là. Jaune. Je comprends pas là. Je comprends pas ce qu'il veut qu'on fasse. Il y avait une marche il y a 3 secondes. Quelle histoire. Pas mieux. Il y a un bug avec la 3ème colonne. Du coup je suis censé faire quoi? C'est pas censé être si grand, c'est ça? Je suis censé savoir quelle est la couleur ici? Ou je devine? En tout cas, là, c'est du bleu, je pense. Hein. Je vais pas pouvoir finir, quel enfer. Quelle histoire. Je vais refaire ici? Bon, c'était comme ça. Le truc descend pas plus. Une petite tout en haut de la 3ème colonne. Juste une petite. Faut la placer, mais je peux pas. Faut la mettre en dessous. Ah, faut que j'ignore la boîte rouge. Donc du coup, je fais comme si elle existait pas, c'est ça? Ok. Au moins une petite là. Mais c'est pas possible! Il a bucket?
Heureusement qu'il y a un chat. On est dans la tête du chat maintenant ? Gros bug. Ah, maintenant on est le chat. Et voilà, ça c'est cool quand même, en empêchant de pouvoir tout défaire après, mais ça c'est tellement ce qu'il fallait qu'on... C'était ça le jeu. C'était ça le jeu. Tu regardes les trucs jolis et après t'as envie de les défaire. Voilà. J'applaudis hein, pour quand même ce... J'applaudis pour ce... Pour cette, ce curseur chat. Ouais, il est vraiment cool. C'est vrai que sur le coup... en fait, moi je l'ai vu je sais plus quand... Il y a un moment, maintenant, parce que ça fait un moment que je me suis dit que j'allais y jouer. Et en fait, ouais, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi intéressant. Il y a plein de trucs, tu vois, où c'est intelligent. Sur la manière de faire. Donc ouais, c'est cool. Et en plus, il y a un chat. Je pense que 20 sur 20, quoi. Triple A devant Zelda, on peut dire, ça. Mieux que Mass Effect officiel. Attends, je vais trigger des gens plus petits que nous, enfin un peu que moi du coup. Mieux que Roblox. Et encore, je pense que quoique Roblox. Il s'appelle... Ah j'ai pas vu. Il s'appelle Kevin Eric César. Sérieux ? Rodo. Ah oui, c'est tous les noms des chats, j'avais pas vu. J'imagine de l'équipe de développement. Deux. Ah, il y avait un deux en plus. Moi, je laisse ça jusqu'à la fin. Hein. C'est cool quand même. Bon, je sais pas, il paraît qu'on peut faire des sondages maintenant, c'est autorisé ou pas? Faire des sondages quand on n'est pas affilié? Ou faut donner de l'argent à Bezos et ses données? Faut que je regarde. Trois heures, on a pris 3 heures pour faire 2 chapitres, 1h30. Pas, ouais. Moi, bah, de mémoire aussi, ouais, je crois que c'est pas possible. Mais ça se tente, hein. Enfin, ça se tente. Ouais. En fait, le sondage, ce serait juste, on commence quoi? Ce serait Assemble with Care, qui est dans la même idée, le même travail graphique. On peut pas dire réellement ça, mais... Dans la même touche, on va dire. Et The Dredge, qui est totalement différent. Mais plus sympa à jouer, on va dire. Dans le sens où t'as moins de besoin de penser. Bon, je vous montre rapidement parce que le journalier, ça peut aider. Donc voilà. Journalier, c'est le moment où si vous avez envie de faire des trucs, vous pouvez faire des trucs spécifiques, par exemple. Par rapport à la journée. Donc là, par exemple, je sais pas ce que ce serait à faire. Hein. Enlever les petites. Apparemment non. Et bah bonne soirée à toi Nagual. Voilà, donc du coup c'est des défis quoi. Et il y en a apparemment 100. Est-ce qu'il faut vraiment tous les faire? Je dirais non. Parce que comme j'en ai parlé déjà à Tomato Jules, bah en fait...
Moi, je suis plus pour le jeu principal que les petites touches en plus. C'est un peu là aussi, après, où tu peux voir et savoir si tu si t'apprécies le jeu, quoi. Et donc, Ravenbell me disait qu'il y avait des épisodes où tu pouvais refaire d'une autre manière. Mais ça, par exemple, c'est dommage. La fin est vachement bien. Les Tupperware étaient très rigolos. La patte du chat. Il y en a une par jour. Pour faire les 100, il faut revenir 100 jours. Pas évident. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Donc là, est-ce qu'on peut voir... Voilà, par exemple, celle-ci, il y avait deux réponses. Sachant que j'ai décidé de faire une ligne. Peut-être qu'on peut faire grandissant. Il y avait quoi d'autre? Celle-ci, il y avait deux réponses. Bah du coup, tu vois, par exemple, sur ça, on avait potentiellement la possibilité de se tromper plus. Et celle-ci aussi. Bon, alors celle-ci, j'avais tellement pas envie d'en faire trois, là, sur le coup. La première était très bien. Petite part de tarte. J'ai bien aimé, moi, les passages de... Dans le garage, était cool. Quand tu en ranges par forme. Pas mal. Les pattes étaient compliquées, mais après, c'est passé bien. Ça, c'était un peu dur, ça. Moi, je trouvais que c'était dur, ça. C'était... fallait comprendre qu'il fallait regarder... Enfin, c'est... Bref. C'est une évolution dans le jeu, hein. Parce qu'il faut comprendre, en fait, les contenus par rapport aux contenants, etc. Voilà, voilà. Eh bien, pour ceci, c'est fini. On va refaire une pause, je pense. Je vais aller m'addicter.